Ok, on est reparti et enfin une bonne nouvelle pour ceux du chat. Et voilà le plus gros connard de l'univers. Dans toutes les galaxies, y'a pas plus gros connard que lui. Tu es au top, au pinacle de la connerie. Bien joué, connard, tu remportes l'Oscar. Vous l'avez compris, les alertes sont de retour. J'étais censé le faire manuellement moi-même, mais apparemment les viewers sont déchaînés, ils ont envie de dépenser des points, ça y est, ils sont contents. Par contre, il y a eu une alerte et il n'y a pas eu l'autre. Je le mets pour toi, Galo. T'as demandé celui-là. Et il y a eu aussi celui-là. Baston. Et enfin, Asuna, je l'oublie pas, il y avait celui-là. Pauvre merde! Voilà, tous les sons sont de retour. On les a tous fait, hein. Je n'en ai pas mis plus depuis. Peut-être que j'en mettrai d'autres pour la peine. Mais je suis très content que c'est de retour. On va pouvoir reprendre. Et là, il va y avoir plein d'alertes pauvre merde et tout dans ma gueule. Parce que toujours l'ennui de me balader dans ce château pour récupérer ce que je veux. Mais je suis toujours embêté par les monstres qui me défoncent. Il n'y a pas, à dire. On a des bouquins, on a un piano, très bien. Ouais, du tout. Il n'y a rien. Pour une raison inconnue, les mots « bonne journée » sont écrits en grandes lettres sur une page. Ori sourit en voyant ça. Bonne journée ! Ça. Il y a un dragon dans la chambre. Au moins il est tout seul. Quand ils sont tout seuls, ça va. Quand ils sont quatre, c'est chiant. Rien. Rien. Un porte-jartel, c'est pour qui? C'est pour qui le porte-jartel? C'est un accessoire qui donne 6 de défense. C'est pour Jessica, plus 2 de def. Oui. Il faut que Jessica ait le plus de défense possible aussi. Hein. Elle a marre des 32 dégâts qu'elle prend. Elle va en prendre que 29. Petit point Yangu. Vas-y. Renifle. Un 16 trésor. Donc un qui m'intéresse. Il y a un autre ici. Là, c'est le truc. Là, c'est rien. Je suis complètement paumé. Je sais plus où aller. Apprendre d'un raccourci. J'ai la flemme de tout traverser, d'affronter 100 000 monstres. On se casse. Pour 2 de mana plutôt que 18. Et l'objectif c'est d'aller à gauche. Il y a quelque chose que j'ai raté, c'est sûr. Tous sur lui! Oh mais 40, c'est presque la moitié. Oh
Faut vite Jessica qui s'en prend plein la gueule. Y'en a marre. N'attaque pas le guérigluant, hein, tous sur l'armure. Évidemment, si tu n'as pas attaqué. Lâche Kumun. Ah, l'XP. C'est long. Mais moi j'arrive pas à soigner aussi vite que je me prends des dégâts. Surtout que c'est une attaque qui change rien. Au bout de l'armure. J'attaquais celui de droite. C'est celui de gauche qu'il fallait que j'attaque. Ah, des petits coups d'épée sympa. Connard. Oh, il y a quand même un mort. J'aurais préféré que ce soit Angelo qui le tape, mais c'est pas grave. Double coup d'épée du même connard, mais quel enfoiré! Sans déconner! Putain! Bon, lui il a tout compris quoi, on me bien casser les couilles. Et 12 de mana le combat. Ah voilà enfin. Cherchez le lieu depuis le début. Il est là. Mais il va falloir que j'aille de l'autre côté. Un brassard d'or. Une mini médaille, ça aussi ça va être bien. Une peau de bête magique. Rappel de ce que ça fait. Un radiant de la chimie, ouais, c'est ça. Et les brassards, ils ont autant d'armure que les boucles d'oreilles. Donc, pas... donc la carte elle est là. La carte elle est là. C'est la clé. Ça, c'est la carte. Une épée de Templier. Oh, on est lourd. C'est la première chose qu'il fallait que je le récupère. 98, hein. Ça va commencer à faire un petit peu mal. C'est bien. Comme j'ai dit, il faut que je traverse toute la map. Que je dois atteindre maintenant la grille. Ce sera la dernière chose que je vais aller dans le château. Et c'est 4 méca chasseurs. Non, mais 4. Par chance, je crois que maintenant Angelo fait assez de dégâts pour que ce soit une chose. À chaque fois. Un esquive.
Attends, il faut attaquer. Allez, faut le tuer avant qu'il a 31. Bobo. Plus grand chose à faire. Il me semble c'est par là. Et après c'est par là. Et après c'est à droite. Et je peux pas. Et c'est chiant. Tant pis. Il y a d'autres choses que je dois faire encore. Quel dommage. J'ai une clé, je peux pas m'en servir. Salut toi. Sourire gluant. Hammer. J'en profite pour faire quelques quêtes secondaires. Un monstre au sou. Yeah, let's go. Donc, donc. Smile aiguant. Aperçu près d'un château délabré. Ça c'est bon alors. Supion. Aperçu au bord de l'eau près du repère d'une voleuse. Et enfin. Armor. Aperçu au bord de la rivière près de la baie. Donc ça c'est le premier que j'ai récupéré, rappelez-vous un épisode précédent. Lui il vient tout juste de le récupérer. On va bien faire. Il nous reste encore à chercher. Alors, le labyrinthe, la cabane. Je pense que le labyrinthe c'est pas. Car la voleuse se trouve au sud. C'est pas du tout le même niveau. Pas de plage. On va voir qui calme. Le repère est là-bas, la plage est là-bas. Comme si on allait vers. Bon, là on va souffler un petit peu, ils font moins mal les mobs ici. J'ai gagné un petit peu d'armure depuis. Alors, je voyais la différence, mais à ce point-là, c'est peut-être exagéré quand même. La plage est à gauche. Thank you.
un bourreau et un gorille. Ok. Sur lui. C'est pas le même. Pas non plus le même gain au niveau gold. Bon, j'ai la plage. Maintenant. Mais ça ressemble à rien à une poulpe, ça. Plutôt un poulpe. Pas mal. Ouf, oh, ça, ça fait mal. Oh, le coup critique. Au bord de l'eau, pas du repère d'une voleuse. Ah, au bord de l'eau. Donc c'est pas que ici qu'il faut que je vérifie. Faut que j'ai vraiment je m'en rappelle plus vraiment. J'imaginais quand même que pour finir la quête de Mori, faut quand même arriver jusqu'au château de Trollin.
d'abord c'est toi. Ça sort de tête quand même. Mais c'est toujours d'expérience. Ah, il y en a qui s'est mis en dette. Il a bien fait. Allez. Paye ma tête. Et soit tu défends, soit t'attaques, mais tu fais pas les deux, tricheur. C'est pas mon signe. Voilà. Et celui de gauche. Nickel. Moins cher. Un peu de monde là-haut. Et non, toujours pas de level up, parce que ça devient hyper long de level up. Et c'est pas les bons ennemis. Quand même, ça le fait. Avoir un peu de trucs à faire quand même. Bah là par exemple je peux déjà m'occuper de ce village. Hein Yanggu, qu'est-ce qu'il me reste comme 17 trésors quand même encore récupérés. Surtout les deux magasins qu'il y a là-haut.
Excusez-moi. Je ne faisais que passer. Du coup, ça, c'est la porte de derrière d'un magasin. Même pas. Je me souviens pas avoir fouillé ici, dis donc. Apparemment, si. Hein. Apparemment, non. Vêtements simples. Mais y'a rien. Mais y'a rien. Ah, si. Ça fait 3. On s'en fout. Oh, les arrière-boutiques. Une dague. Ouais, pourquoi il fallait la clé? Un bâton de cyprès. Parce que c'est un bâton, si tu le vois de si près, t'es mort. Oui, moi c'est ton bras aussi. Excusez-moi, je me permets de vérifier si j'ai tout fouillé. Pas du tout. Non, pas du tout, du tout, du tout. Excusez-moi, excusez le dérangement. On cherche l'autre arrière-boutique depuis le début. J'ai pas fait. Ah bah si. Ah bah si. Ça c'est la boutique d'armes que j'ai déjà fait. Ça c'est l'église. Mais les dépôts j'avais pas remarqué. Peut-être que si finalement. Pas de coffre toi. Bon. N'inquiétez pas, il me reste encore quelques lieux à fouiller. Pas trop abuser ici. La petite sauvegarde qui va faire plaisir. Et après, en route vers les 2-3 lieux. Donc je me rappelle que j'ai encore des coffres à ouvrir parce que c'était verrouillé. Comme ça, ça va permettre à mes personnages de potentiellement être stuffés. De récupérer les thunes nécessaires pour pouvoir les stuffer justement. Ouais, j'ai 3000 de thunes. Ce qui est que dalle en vrai. Oui, on continue. Et c'est parti pour les nombreux téléportations. A commencer par Quai Pérégrin.
Celui-là, je sais qu'il y a un truc intéressant à récupérer. Et c'est lui. Prends ça. Et ça. Et encore ça. La boutique pue la merde. Voilà, t'as plus rien, tu es pillé. Oh, quoi encore? Maintenant, je suis vraiment dans le pétrin. C'est mon coffre au trésor, mais j'ai perdu la clé. Je me fiche de ce qu'il y a dedans, mais si je ne peux pas utiliser le coffre, alors je peux plus travailler. Je me demande si quelqu'un a une clé qui pourrait ouvrir. Ce serait trop beau. Un boomerang. Waouh, voilà une sacrée clé. Qui aurait pensé qu'elle allait ouvrir mon coffre? Mais vraiment bien aidé. Allez, pourquoi ne garderiez-vous pas le contenu du coffre? Tout est à vous. Merci, monsieur. Bon, c'était pas lui que je voulais ouvrir en premier, mais c'est pas grave. Une mini-médaille, ah oui, ça valait le coup. On commence à avoir pas mal de mini-médailles, je suis pas content. Et 200 de thunes. Ok, Yangu. Et moi, s'il me manque des trucs. Un trésor. J'ai pas réussi à choper. Tout moi. Il manque un putain de trésor de merde. Je pensais que j'avais tout fouillé. Je peux pas, c'est des gros tonneaux. C'est nul. Où est-ce qu'il est? J'ai tout ouvert. Sauf un endroit apparemment. Je me souviens, je l'ai fait il y a quelques épisodes, ça. Les PNJ s'en foutent complètement que je bousille leur magasin. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est pas bon, ça. Ouais, j'en fous. Non, non, non. On bat les couilles. Je vais juste entrer. Je trouverai toute la zone s'il le faut, mais je trouverai. Je trouverai. Je trouverai. Ou pas. Les ruines de la baie. Ça, ça va être beaucoup plus simple. Même si je sais plus du tout où est le coffre. Normalement il me reste deux coffres. Mais la différence c'est que j'ai pris beaucoup de niveaux et il y a un nouveau perso. Alors si je demande à Yongu de... 4 trésors. 4 trésors à trouver. Fou. Ah, j'ai même pas la carte. Ah ouais, quand même. Oh, c'est eux qui attaquent en premier. Je ne peux toujours pas.
lancer deux sorts. Eh ben, j'ai pas sonné. Très mal joué, hein. Ça fait que de l'anti-magie, donc pour l'instant. Donc, Yangu qui peut envoyer des sorts. Angelo passe niveau 19 dans les ruines de la baie, faut chercher l'erreur. 10 PM quand même. Rappel. Rappel, c'est pas. Attends. Si, rappel, enfin. Voilà un sort intéressant. Ça permet de ressusciter les morts. Très pratique. Ben, on fait la technique labyrinthe, on tourne toujours dans la même direction. Voilà. La carte. Putain, il y avait les clés. Il faut une clé pour récupérer la carte. La logique. De merde. Oh, ça commence déjà. Oh là là! Plus fort, hein. Il a pas fui. On est à 3, encore 2. 4, 4 PV. Et c'est 1300 d'XP. Ça, c'est du farming. Voilà. Décuplo. Cinq pièces. Voilà, lui il donne 1300 d'XP. Enfin, après tout ce temps. Il finit par le tuer au moins une fois. Mais tout à l'heure, on a rencontré un gluant de mercure. Et ben, spoiler alert, lui il donne 10 fois plus d'XP. Donc ici, il y a des gluants de métal. C'est beau. Voilà, ça fait un gros trésor, ça. Un bouclier de bronze. Pas mal. Voilà. Angelo, je vais pouvoir l'équiper de ça. Il n'avait pas de bouclier, le pauvre. Il n'aime pas le bouclier de bronze. Vraiment, t'aimes pas. Très bien. Un autre gluant de métal. Il tape. On espère qu'il fuit pas. Là, je peux me balader autant que je veux. Je passe par la porte de gauche cette fois.
Esquive. Et le 3. Ok, qui compte plus aucun dégât. Alors qu'il faisait extrêmement mal. À gauche. On n'a rien ici. Plein de mouches. Une flopée de mouches. Les pauvres de mouches. De dégâts sur le chiant. Bon, la bonne nouvelle c'est que Jessica elle a level up. Alors là j'ai pas fouillé. Une mini médaille. Il y a encore des mini médailles bien cachées. Je vais vérifier avec toi. La momie. Un trésor à trouver. Cherche le trésor. Cherche. Je veux pas qu'il cherche, je veux qu'il trouve. Trouve le trésor, trouve. Là y a rien, là c'est la porte spéciale. Là. C'est la petite zone empoisonnée. On va marcher dessus. Il y a un passage pour ça. C'est là. Et là. Ça par là. D'ailleurs, je vais quand même faire un petit tour au niveau du bestiaire pour savoir si c'est déjà pas mal vu ou pas. Je vais tomber. Débile. Là-bas, il y avait le boss, mais. Pas un coffre que j'ai oublié. Par exemple ici. On sait que c'est la peste qui a eu raison de cet endroit. Hein. Non, ça le désert. De côté le coffre. C'est bien un coffre. Un mort. Et deux morts. Et trois morts. Et un dégât. Et ouais. Un seul de dégâts. Pas fait ici. J'ai fait. Ok.
un vampivole. Henri 21. L'XP 13 PV. Ça c'est bon. 5 points de compétence. Ah, cette compétence ne peut pas être augmentée à ce niveau. Bon, ça a monté le courage aussi. 20 dégâts maintenant avec le boomerang. Oh là là. C'était là le dernier truc. Les jupes de brigand. Du coup là c'est juste un gros attrape-couillon. Ça se fait pas. La zone qui est empoisonnée. Ok. On a plus qu'à sortir d'ici. Hein. Même récupérer un bouclier. Ça, c'est déjà cool. Un bouclier de bronze, c'est déjà pas mal. On va le récupérer. Là, je vais devoir me retaper tout le labyrinthe. Je crois qu'il me reste quand même des trucs. Hein. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il me reste? 3 trésors à trouver ici. À droite, il n'y a rien. À gauche, il y a. Niveau stuff, etc., je suis en avance, c'est normal. J'ai un peu de thune grâce au sac. Alors, on tournera toujours à gauche. Des problèmes, ils sont au milieu. Les autres, ils font rien. Alors, on passe 11 dégâts quand même sur. Quand même un petit 68 là comparé à Angelo. Je peux faire mieux. On rit. C'est pas gentil. J'ai compris qu'il fallait taper Jessica, enfoiré.
Ils sont nuls. Oh. Kyungu attaque avant Ori. À gauche. Et on voit un beau trésor. Un bouclier chat. Douze de défense. Angelo peut l'équiper. Bien, pas mal. Jessica peut l'équiper. C'est pour elle. On va pas réfléchir. Hein. À toi. C'est bon. Un bon bouclier pour Jessica. Mais non, je vais me donner de l'armure à Jessica. ...318 pièces d'or quand même. Allez, un super boomerang. 10 médailles. 2. Là, y'a rien. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Attaque de mauvaise. Pas quand même 18. Pour moi, c'est plutôt cool de subir que 18 de dégâts. Dire ouf, enfin, là il y a vraiment rien, là il y a rien, là il y a l'escalier, là-bas il y a un autre escalier, c'est un escalier qui me fait tomber normalement. Coffre, mais ça sert plus à rien. Oh mon dieu! Oh putain! Oh! Oh vas-y, le jeu qui me fait comprendre que je vais avoir un bon bouclier, je vais me faire défoncer. Ça. Suffit. Celui de gauche qui a attaqué, hein. C'est dégueulasse.
attaquer. Il y aura des morts enfin. Ok, il n'attaque pas. Voilà. Yungu, niveau 21. 5 de force. Je peux monter encore mon humanité. Hein. Allez, on continue. Il y en a d'avoir des touches. Ils sont trois quand même. Et le temps de tâcher. Angelo avait pas attaqué. Bon, là il a attaqué. Jamais, mais je crois que j'avais déjà fait ça. Pas de soucis. Alors, normalement il y a une porte ici. Je viens de là et moi je veux aller là-haut. Donc ça prend la porte. Je vais pas tomber dans le panneau cette fois. Dernier combat. C'est un gros combat. Esquive. Survie, hein. Survie moins. Ok, je vais faire la deuxième coupure maintenant. On se retrouve tout de suite, les gens.